prime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lagiremo, dorime, ameno, o manare in perra vi ameno, timere, timere, mangiro, mangiremo, ameno. Bonjour tout le monde, voilà, alors il n'y a personne qui me voit pour l'instant, mais voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un atelier Tesla, avec création de boosters et de perches électromagnétiques simples pour l'électroculture. Ça peut être aussi utilisé pour, alors c'est Monsieur Doc, plein de choses. Mais d'abord, je voulais vous montrer le matériel qu'il fallait pour créer ces petites choses. Alors, c'est de la matière de récupération ou à petits coutants pour le petit matériel de surplus. On peut faire de la récupération aussi. Voilà, j'ai fait de la récupération aussi. Donc je vais vous expliquer comment on fait, pourquoi on fait ça. Bah, tout simplement parce que Monsieur Doc avait parlé de ça il y a un moment déjà. Donc voilà. Alors il y a tout d'abord pour le tuto, il nous faut un aimant qui est là. Voilà, un aimant. De la cire d'abeille. Alors en pépite, vous la faites fondre, vous voyez, moi je fais ça de fondre dans un brumisinateur d'huile essentielle. Puis après vous pouvez le nettoyer puisque c'est de la cire d'abeille, de toute façon c'est sain. Elle est bio, elle vient d'ici, elle est bretonne, cette cire d'abeille, donc on la voit bien, hein, elle est malléable, regardez déjà, voilà, elle fond. Vous voyez, elles font très bien, hein. Donc on prend une fourchette ou une cuillère et puis on l'écrase et puis ça, avec la chaleur de la bougie en dessous, on la fond. Ensuite, alors on a notre aimant, on a notre cire d'abeille et puis là ici on a le matériel primordial, c'est ça. Alors ça c'est des tubes de béton, zinc, voilà, d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 0,10. Et puis ben là il nous faut aussi, voilà, alors c'est des pieds de parasol, hein, qu'on récupère, et puis ben du fil de terre. Alors ça c'est du fil de terre, on faut enlever, il faut dénuder totalement tout le fil plastique et vous récupérez le fil de cuivre qui est très très bon conducteur. Et c'est un fil électrique qui va nous servir à faire les connexions entre la terre, l'énergie. Et puis le poteau pour créer un champ plasmique. Alors comment on fait le champ plasmique? Alors je vous explique, le fil va créer un champ conducteur, le courant va venir de cet aimant là qui est carré, vous voyez, c'est carré. On peut, alors il y a des aimants, ceux-là c'est des aimants noirs qui est, regardez, voilà. Cette ouais. Et ensuite, on va dénuder. Alors, j'ai une stagiaire technique qui est avec moi actuellement, qui dénude le fil, mais elle voulait vous montrer. Alors voilà, on va regarder le fil. Elle est en train de dénuder toute la longueur que je vais me servir pour faire le promo buster. Voilà, avec un couteau et puis une pince pour le couper sur la longueur. Donc voilà. Donc là, ici, on a un aimant, un fil, et regardez bien, quand il y a la gaine, il n'y a pas de courant qui passe, c'est-à-dire que ce n'est pas polarisé. Et quand il y a du métal sur l'aimant, regardez, hop, il tient droit. Voilà. Alors, il y a une chose, la cire d'abeille est là pour
Alors, pourquoi j'ai pris un plus petit et un plus gros? Bah, tout simplement parce que soit j'en fais deux à ma guise, ou soit j'en fais un en télescopique. Alors, l'histoire du télescopique, il se trouve dans l'un dans l'autre, vous voyez, et la cire d'abeille va venir ici pour faire une connexion entre les deux, et on va colmater avec la cire d'abeille qui sera liquide, et puis il y aura aussi le fil de cuivre qui viendra là-haut, ici, là, à ce niveau-là, pour créer une antenne, et je cherche ma bille percée pour faire une diode. Alors la diode, ça sert à quoi? Bah, canaliser le champ énergétique, le courant qui va venir de la Terre ici. Alors, la question, c'est où on pose l'aimant? Eh ben, l'aimant, tout simplement, on peut le poser dans quelque chose qu'on met dans le tube, on le pose simplement et on le scelle, enfin, on le pose sur, par exemple, on prend un bouchon de liège et on le met dedans, dans le tube, le liège est conducteur, il suffit de le percer et mettre l'aimant dessus. Ou au pied. Alors ça, c'est une technique, c'est de le mettre au pied ici, et pour récupérer le courant, alors regardez, je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer, le tube est assez large, vous voyez, l'aimant, il est là, voilà, alors, et si on peut le mettre comme ça, on peut le mettre droit, donc du coup, ça crée un champ de force entre le haut du piquet et le bas, et récupère de par l'aimant, attractivement, le courant qui le fait monter par le fil de cuivre. Alors, l'aimant est posé sur le fil de cuivre. C'est-à-dire que il va être posé sur le fil de cuivre tenu par un bouchon de liège dans le tube pour qu'il reste au maximum droit. Ça, c'est pour faire l'intérieur. Déjà. Alors ça, c'est pour faire l'intérieur, la résistance. C'est-à-dire la résistance. Mais seulement, il y a un deuxième fil de cuivre qui va venir dessus, sur le bas, en 21 spires. 21 spires, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est le 3. C'est le 369 de Nikola Tesla. Toutes ces bobines sont sur le 3, le 9, le 21 ou le 369 de Nikola Tesla. C'est le 21. Le 21, c'est le 21 spires pour les bobines. Donc imaginez que votre poteau, là, ici, présentement, est une bobine. À partir du moment où il a un aimant et qu'il a un fil de cuivre pour faire de la conduction, il est déjà dorénavant une bobine fixe, c'est-à-dire statique. Ensuite, la cire, là, elle a fini de fondre, hein, donc là, ça va être bien. Elle sera malléable après quand on va l'appliquer sur les spires, mais sur le fil de cuivre, on va d'abord créer du nanocotage. Alors, qu'est-ce que c'est le nanocotage? C'est de prendre un briquet et de chauffer le fil de cuivre et de le noircir. Et après l'avoir noirci, alors on fait ça que pour celui de l'extérieur, parce que l'intérieur, c'est juste une résistance qui va aller directement dans le pied et dans la terre, via l'aimant, si vous le mettez en bas, si vous préférez le mettre en bas, ou au milieu, sur le bouchon de liège, ou à la rigueur, là où vous avez envie. Tant qu'il est sur le bas du buster. Donc voilà. Ensuite, bon, bah, la cire d'abeille est pratiquement fondue. Elle est fondue. Alors on va l'éteindre et on va la laisser comme ça. Et puis on la laissera se resolidifier un petit peu pour pouvoir véritablement l'utiliser comme pâte. Alors comme pâte isolante ici, mais aussi comme pâte conductrice, puisque le courant ici, on peut faire partir le fil de cuivre de l'intérieur d'en haut, ça va être le but, et le fil de jusqu'en bas donc on va faire ça. Donc ça, c'est voilà. Donc c'était une explication un petit peu éphémère, un peu à la va-vite. Mais voilà, vous allez voir les étapes, je vous ferai les étapes. Cette vidéo, elle est juste le démarrage, c'est juste le début du truc. Là, je vais sceller ça avec la cire, mettre le bouchon de liège à l'intérieur, donc le bouchon de liège de champagne, hein, ou de vin, comme vous voulez, suffisamment gros pour bloquer dans le tube.
et puis la cire d'abeille qui sera au-dessus, et puis l'aimant qui est là. Voilà. Alors après, on vous montrera, je vous montrerai comment on met le fil, ainsi de suite, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. À tout à l'heure. La deuxième partie du Buster Teslick. Alors, j'ai pas mis encore l'aimant. J'ai scellé cette partie-là des deux tubes, le plus petit dans le plus grand, ici avec un bouchon de liège coupé en deux, plus de l'étain qui va permettre de bloquer, on va faire un Srilan Block, on appelle ça, un Srilan Block, pour justement tenir à hauteur ce tube-là. Ensuite, on a fait sortir et on a fait un petit croisillon, vite fait, en haut de la tête, du piqué et enfin du buster, et on a nano-coté le fil du bout, et ainsi que on a nano-coté le fil de la terre ici qui va aller dans la terre aussi, et puis là on est en train de dénuder le fil de cuivre qui va être à l'extérieur du tube et qui va être nano-coté aussi tout le long, et ciré pour l'isolant. C'est-à-dire que je vais aller dehors après, je vous montrerai une autre étape. Et la troisième étape, c'est que déjà, en ayant posé l'aimant ici, voyez, ici, en posant le buster sur le sol, l'aimant est à l'extérieur, la demoiselle stagiaire a déjà ressenti des picotements là-haut. Déjà, il n'y a pas de bille de verre. Alors, voyez, le nanocotage, c'est bien simple. Il faut pas vraiment toucher le fil de fer. On essaye de moins manipuler la chose possible. Alors, en haut, on peut le faire comme ça, hein, mais on peut le faire aussi en onde de forme. C'est d'ailleurs avec des deux fils de chaque côté qui fassent antenne pour... là, j'ai choisi la diffusion aérienne par des bulles plasmiques. Donc ça va être une bille qui va être au bout. On va essayer, peut-être je vais essayer d'en mettre une deuxième avec pour amplifier, voire peut-être même un petit cristal de roche dans le tube ici pour la pointe vers le haut, bien sûr, pour aller chercher l'électromagnétisme du l'aimant qui sera sûrement au pied. Donc il va refaire remonter le courant électromagnétique et du coup va charger l'antenne du haut qui est alors ça c'est du tube hein, galvanisé métallique, donc c'est conducteur, la preuve hein, regardez, voilà, si c'était pas conducteur ça tiendrait pas, voilà, je vous démontre le truc, c'est un aimant Vebatim. Alors il y a les aimants Vebatim sont les aimants que vous pouvez récupérer dans les baffles d'anciennes baffles de home cinéma ou d'ampli, et ça c'est un gros aimant carré qu'on peut acheter pour l'électrotechnique à petit prix. Faut que j'en récupère moi encore. Et puis là il y a le fil de 21 spires qui est en train de se préparer en connexion avec la base de la terre, c'est-à-dire que on va connecter la terre pour qu'elle remonte ici. Donc du coup ça va faire double champ avec le fil intérieur, et du coup on va travailler avec l'aimant qui va ramener le courant en haut, voilà, qui va créer un plasma pour le développement végétatif. Et bien sûr la cire d'abeille qui est fondue va nous servir à isoler tout le fil avant, après l'avoir nanocoté, et vous allez on va faire une expérience après, vous allez voir, vous allez halluciner, voilà. Alors, on va faire les 21 spires, là, parce que là, il y a ma stagiaire qui est en train de... Je lui ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Donc là, elle est en train de connecter la terre et d'entamer les 21 spires, c'est-à-dire les 21 tours. Les 21 tours, pourquoi? Parce que c'est 21, c'est 2 et 1, 3, c'est corps, âme et esprit. Oula, c'est corps, âme et esprit, c'est rien de grave. C'est rien de grave. Les 21 spires, c'est basé sur les bobines Tesla. Et du coup, là, c'est pour ça qu'on les appelle les busters de déploiement végétatif Teslick. Alors là, on est en train de créer l'antenne. Voilà, l'antenne va lâcher du lourd quand elle sera connectée. L'aimant n'est toujours pas dedans. Donc accrochez-vous, parce que quand l'aimant va être dedans, je vais vous montrer quelque chose à la fin de la vidéo. Voilà, je ferai des montages vidéo, bien sûr, de ces petits intermèdes, de ces étapes. Donc voilà. Donc je reviens vers vous juste après l'avoir fini.
Après l'avoir mis à nos côtés, je vous montrerai comment on fait, hein, avec un briquet tout simplement, ou une bougie. Et puis on vous montrera le résultat dehors. Voilà. Alors voici, on a mis la cire d'abeille sur le haut de l'antenne de la diode. Les 21 spires sont là. On va les mettre à nos côtés au briquet ou à la bougie, passer une grosse bougie, puis on va passer le tube. Et après, on va essayer de trouver un moyen de le tremper dans la cire d'abeille, en fait, pour pouvoir après attaquer avec l'aimant, soit ici ou soit à ce niveau-là. Donc je pense que le mieux, c'est d'attirer le courant sur ce mât-là, soit au sol, soit ici, parce que en fait le courant va passer par les fils de cuivre et ça va être assez énorme. Et en fait, déjà rien que là, il y a un petit courant sympathique qui se fait. Et on va y mettre un petit bout de cristal aussi que j'ai dans le tube par en dessous, la pointe vers le haut comme ça, et on scellera avec la cire d'abeille pour pas qu'il bouge de sens, voilà. Et du coup, ça va être un buster assez costaud qui va créer un gigawatt-heure de végétatif. Alors vous voyez, ça c'est le nœud aussi en bas. On a connecté les spires, les 21 spires, on a les 21 spires, on les a comptés. Et là, on a la prise de terre, mais on va pouvoir enterrer quand même malgré tout jusqu'à la deuxième spire, troisième spire, pour qu'ils tiennent droit dans le jardin, on va dire. Voilà. Donc voilà, on va vous montrer ça après. Voilà. Rebonjour. Voilà. Alors, on a mis la bille. Voyez, la bille de verre, la cire pour isoler ici, hein, après nanocotage bien sûr. Puis ici, pour éviter que ça bouge, on a mis de la cire d'abeille. Donc à l'eau, hein, ça durcit bien sûr, là elle est froide, donc c'est en train de durcir, donc ça isole et puis ça évite aussi que ça bouge. Donc une utilité. On a toujours nos 21 spires non nanocotés. Et puis oui, j'avais oublié de mettre dans le... Là c'est un cristal que je vais utiliser pour le mettre ici et pouvoir mettre l'aimant juste après. Ça va amener du courant libre, énergie libre. En fait, l'aimant va attirer le courant de la terre. Donc, en fait, on va le mettre dans le tube, hein, l'aimant, on va faire comme ça. Et puis le cristal, lui, la pointe vers le haut, vous voyez, la pointe vers le haut. Voilà. Et, voilà, on a bientôt fini, à part le nanocotage et l'isolation des 21 spires. Là, vous avez un booster Teslic par Monsieur Doc Time Walker, Monsieur Doc, qui est là, voilà. Donc, vous vouliez le schéma, la manière, moi j'ai préféré vous montrer comment on fait, avec les choses. On va vous montrer à la fin, hein, quand même. Là, la cire d'abeille, vous voyez, maintenant elle est un peu plus dure, vous voyez, mais elle est quand même malléable, et du coup, comme elle a chauffé, ben vous pouvez vous en servir comme isolant. Voilà, donc ça c'est très bien, et on va l'en mettre au bas après avoir mis. Alors, l'astuce, hein, l'astuce générale, c'est qu'on prend le bloc, on essaye de la lisser, voilà, en la chauffant dans la main, voyez, voilà, on la lisse comme une pâte à modeler, vous la jouez comme une pâte à modeler, voyez. Donc la vraie cire d'abeille est malléable comme ça, hein. Elle n'est pas chimique, celle-là, je vous rappelle. C'est une cire qui provient de chez moi, hein, voilà. Et puis, ben, vous collez l'aimant. Voilà, voilà, regardez, vous collez l'aimant dessus. C'est une petite astuce. Et puis après, ben, vous savez quoi, vous allez le mettre là-bas. Voilà, et après, vous fermez, vous mettez en connexion l'aimant avec la prise terre ici, et ça sera totalement fini avec le cristal, bien sûr, dans le tube, pour amener encore plus d'énergie. Donc justement, je vais le mettre là, voilà, je vais le mettre, je vais le coulisser au fond, voilà. Donc la pointe vers le haut, hein, parce que là, de toute façon, il pourra pas se retourner. Donc voilà, il y aura pas d'inversion. Et regardez, il y a un truc qui se passe déjà. Regardez avec le métal et l'aimant, regardez. Voilà, c'est extraordinaire. Regardez l'aimant, je bouge pas.
il est repoussé, il attire, il est repoussé. Ça respire. En gros, ça respire. Voilà. Et du coup, comme ça respire, eh ben, ça va attirer le courant. Alors, je vais finir là, hein, et puis je vous le montrerai fini. Isolé avec ici, là, sur les 21 spires nanocotés. Je vous montrerai vite fait ce que c'est le nanocotage des 21 spires, et puis voilà. Opération nanocotage des spires. Alors, je vous explique. Là, j'ai une grosse bougie. Je peux même en mettre une deuxième, si vous voulez. Voilà, ça fera deux sources de chaleur. Je vous explique. Le nanocotage, c'est l'ionisation d'une matière qu'on appelle le cuivre pour que ça devienne encore plus conducteur. Alors, je voulais juste vous montrer, je sais pas, les spires, voilà, et on passe au-dessus, voilà, et on brûle le fil de cuivre, hein, on le noircit, on va dire, voilà. Alors, je vais vous le faire, et puis je reviens vers vous, pour vous montrer un peu comment c'est. Sinon, on a mis notre histoire de la cire d'abeille avec notre cristal de roche qui est à l'intérieur, pointe vers le haut, et ici, prise de terre avec l'aimant sur la cire que vous voyez en dessous, voilà, et cet aimant-là travaille déjà, regardez, voilà, voyez la bille là, bah, c'est du verre, voilà. C'est une bille percée de collier, hein, c'est du verre, voilà. Vous pouvez faire aussi en cristal, hein. Moi j'ai fait une petite bille, c'est une diode, et là vous voyez nettement qu'il y a des espèces de petites choses qui se passent autour, voilà. Mais quand ça sera connecté à la terre, ça sera encore plus fort, voilà. Donc je nanote les spires et puis ben après on va le mettre en place, voilà. On est arrivé à nanocoter le fil de fer. C'est de chauffer le fil de fer de telle manière à ce qu'il soit un petit peu noir pour que ce soit encore plus conducteur. Donc voilà, votre booster, il est presque fini. C'est-à-dire qu'il faudrait isoler complètement, on va dire, le fil de cuivre. Donc je pense le laisser comme ça. Pourquoi ? Parce que ça récupère aussi le courant qu'il y a dans l'air grâce au nanocotage et à l'aimant qu'il y a en bas. Donc voilà, voilà la tête du booster de l'antenne Teslic de déploiement végétatif. Voilà, c'est comme ça. On va le planter dans la terre, voilà, et on va vous montrer comment, enfin on va vous le montrer, vous le présenter dans mon petit carré de jardin pour vous montrer la différence quand il y aura les premiers légumes de sortie. Et on va dater cette vidéo, donc moi ça sera, je sais plus, je crois que c'est le 23 avril, donc voilà.